des coups de fil. C'est à qui ces coups de fil? Alors là, j'en ai aucune idée. L'école radio, c'était entre nous. Par contre, les coups de fil, moi, j'en ai pas passé perso. Ok, ok. Tu peux lui refiler sa radio, s'il vous plaît? Ah, tiens, cadeau. C'est la quoi là... C'est combien? C'est quoi la fréquence? Attendez, je vais regarder ça. C'est 72-29. Ok, ok. Il y a quelqu'un d'autre en ville? Bah que je il a dit qu'il pense pas. Je te reprends ta radio. Bon, ah, on va attendre un peu. Mais... Dis-moi, ton petit club, il y a combien de membres en ce moment qui sont actifs dedans? Pardon, j'entends rien avec cette pluie. Il y a combien de membres actifs dans ton club? Oh, pff, vous savez, ces derniers temps, il y a très peu de personnes. On est 3 généralement. 3-4 grand maximum. Moto, ça, si vous êtes 3. Oui, mais tu dis actif en ce moment, bah je te dis 3-4. Et en général, vous êtes combien? Oh, bah alors là, moi je te dis, je viens d'arriver, ça fait 2 semaines, je connais pas tout le monde. 2 semaines et t'es encore prospect? Plus de 3 semaines. Bah ouais. Attends, prospect au bout de 2 semaines et t'as vu que 3-4 personnes, c'est blague. Aïe. Oui, et c'est comme ça. Ouais, t'as choisi le mauvais MC en fait. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que ces derniers temps, il y a que 3-4 personnes, c'est tout. Ok, ok, après... vous faites quoi de beau? Vous faites quoi de beau, en fait, dans la vie? Oh, bah, moi, personnellement, ce que je fais souvent, c'est du vol de voiture. Mm-hmm. Sinon, des vols... Le contact, tu l'as eu comment? Le contact, j'ai eu comment? Bah, via le MC. Quel MC, l'a eu comment? Le nôtre? Bah, le mien. Oui, non, mais il l'a eu comment, ton MC, ce contact-là? Alors là, j'en ai aucune idée, je suis pas sa mère, ni son père. Vous achetez de la drogue ou pas? Ouais. À qui? Moi, vous savez, je suis prospect, je connais pas toutes les informations. Arrête de me prendre pour un con. Mais je vous prends pas pour un con. J'ai bon, été c'est une fois vous avec. Quoi de la j'ai été une fois avec la famille, avec les familles. Il y avait une fois avec les familles. Il y avait une fois avec des mecs avec des chapeaux de cowboy, je sais même pas comment ils s'appellent. D'accord. Une autre fois, on a croisé des gars. Merde, comment ils s'appelaient ça là? Mmh. Ça ressemble à quoi? C'était des hispaniques avec des camas paramilitaires et tutti quanti. Mmh, d'accord. On a été sur leur territoire, pareil, ils nous ont pris en mode « Ah, c'est notre territoire !» Sur leur territoire. Et il était où ce petit territoire? Au niveau de... Merde, comment que c'est déjà? De la casse. Au niveau de la... Attends, quoi? Répète-moi ça. La casse. Ouais. Sinon, d'accord. Bah la, voilà, la casse c'est au centre-ville. Oui, la casse au centre-ville, ouais. Ok, 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 ok. D'accord, et c'était c'est toutes les infos que j'ai. Paniques paramilitaires. Ouais, ouais, les mecs, ils étaient bah, un peu comme vous, super bien armés et tout ce que vous voulez. Oh là, c'est rien ce qu'on en met, t'inquiète pas pour ça. Bah. T'inquiète que ça va venir armé, on va pas prendre des petits pistolets qui font pampan. Non, non, mais je vous crois de toute et façon. Et si on pose des questions sur dimanche soir, crois-moi, c'est pas pour rien. J'ai vu votre armement dimanche, donc ouais, y'a pas de donc problème. Donc tu l'as bien vu l'armement, on est d'accord. Oui. Et malgré ça, vous êtes forcé à tourner autour. T'as pas eu peur, c'est pas ce que je dis. Écoutez, c'est pas qu'on a pas eu peur. Normal qu'on ait peur. Mais ah bah perso, vous êtes je chez vois nous. Un groupe avec vous beaucoup êtes de personnes armées jusqu'aux dents. Vous êtes chez nous. Nous on, fait un tour, nous, on fait un tour de moto pour voir ce qui se passe. Alors, on vous attends, a pas posé de problème, là on vous a suite. Pas attaqué. Attends, chez vous mon cul, hein. C'est pas chez vous, Paléto, les gars. Paléto, c'est à tout le monde, vous y vivez, mais faut pas croire que ça vous appartient. Puis même, le jour où tu me vois dans la chambre de ta mère avec une ADP, je pense pas que tu viennes me faire chier. Hein. Si je monte à Paléto et le raser entièrement. Toi, un homme. Voilà, on est d'accord. On est d'accord, c'est une femmelette. Du coup, tu disais, il est à toi, vas-y. Fais-en ce que tu veux. On a une dans la jambe là. T'en fais ce que tu veux, vraiment. C'est... Vous avez dit pas les mamans aussi. Oui, c'était dans la jambe. Ah, il a pas mal. Ça fait mal, si, si. Ah, oui. T'as vachement l'air de souffrir. Ça, c'est dans le pied, ça. Ah, oui, bah oui, casse-toi. Hein. Non, mais sans déconner. Il a vraiment répondu ce que. Sans dé. Ouais, stop. Arrêtez vos conneries. Non, mais. Je pense qu'il a eu son compte. Quoi?
Comment ça se fait que... Soit on a pas assez dosé. Non, non, les gars, tranquille. Ça va, il est debout, lui. Tu peux rester assis par terre, toi. Hein. Je crois plus que t'as un état de tenir debout. C'est pas visé, quoi. T'es blessé? Non. Ah, ça va, alors. Mais attends. Alors. Ils lui ont mis, je sais pas combien de balles dans le cul. Les gars, merde. Trop chargé. Ouais, on voit l'homme armé. Si c'est qui encore debout? Surarmé. J'en sais rien. Traîne où ils ont envie, écarte-toi très vite. Putain, il s'assied sur le cul. Pas ça, ton club, un petit... Mais il respire encore là. A chaque fois que je vois des membres de ton club en ville, je suis en train de faire, c'est pas possible. Parce que ce que j'ai fait, c'est mes questions. J'en sais rien. Ces questions, c'est très simple. Non, je l'ai par cul, pas par balle. Vous avez passé les coups de téléphone, vous nous avez observé pendant 25 minutes. Si j'ai pas la réponse à ces questions, j'ai pris trois charges. Et comment ça vous abattre un parrain? Est-ce que ça c'est compris? Il a une coque sur... Et lui, dans ce quoi, t'es fort. En fait, il a pas... Il a un cul en fer. Ah ouais, c'est mal choisi, non, Lion, ça. Il aurait dû faire des... Mais sans déconner, il a vraiment dit ce qu'il a dit. Ouais, ouais. Griou, t'es une tapette. Oh là là, il a tellement heurté ma masculinité.